Vous écoutez en ce moment un condensé du livre intitulé L'utilisation du temps, écrit par Zacharia Stanifomo. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Le temps est l'un des plus précieux dons que Dieu ait fait à l'homme. En faisant aux gens le don du temps, le Seigneur s'est assuré que nul ne puisse se considérer comme spécialement favorisé ou spécialement défavorisé. Dans son merveilleux amour, Dieu a donné au président d'une nation très peuplée et au simple balayeur des rues dans cette nation le même nombre de temps par jour, 24 heures. Le président n'a pas reçu une journée de 48 heures pendant que le balayeur des rues en recevait une de 24 heures. Dieu s'attend à ce que le président utilise fidèlement la journée de 24 heures qui lui a été donnée pour accomplir ses responsabilités présidentielles, tout comme il s'attend à ce que le balayeur des rues utilise la journée de 24 heures qui lui a été donnée pour accomplir fidèlement ses tâches de balayeur. Si Dieu a donné aux gens la même durée de temps pour chaque jour qui passe, comment pouvons-nous expliquer le fait que certaines personnes semblent accomplir beaucoup tandis que d'autres travaillent si peu? La différence se trouve dans la manière dont les gens utilisent les 24 heures de chaque jour que le Seigneur leur a donné. Certains dorment 4 heures et investissent soigneusement les 20 heures qui restent dans les choses prioritaires de leur vie et produisent ainsi un impact sur le monde. D'autres dorment 8 heures chaque jour. Ensuite, passe les 8 autres heures à ne rien faire parce qu'ils sont minés par l'indécision et les 8 dernières heures sont investies dans des choses inutiles. Ces catégories de personnes ayant des journées de 24 heures les investissent différemment et par conséquent récolteront des résultats différents dans leur vie. J'ai eu le privilège d'avoir été élevé par un père qui connaissait l'importance du temps et qui, par conséquent, l'utilisait sagement. Lorsque j'avais remis la clé maîtresse de ma vie au Seigneur Jésus, le 1er octobre 1966, la parole de Dieu devint vivante en moi et les principes pieux dans lesquels je fus élevé, y inclut l'utilisation du temps, devint vivant en moi. Et le Seigneur m'avait aidé à commencer à apprendre comment utiliser le temps. En ce moment, en 1989, j'investis une moyenne de 16 heures par jour dans le service du Seigneur, tout en étant un enseignant à l'université. Mon but est qu'un jour je puisse rendre 18 heures du service utile à Dieu et à l'homme. Par conséquent, je ne suis qu'un étudiant à l'école de l'utilisation du temps. Certains des principes partagés avec vous dans ce livre
ont été appliquées et sont en train d'être appliquées dans ma vie à profit. Ma prière est qu'il soit une source de bénédiction pour vous. En écrivant ce livre, je me suis efforcé à ne pas seulement vous donner quelques formules ou des techniques à appliquer dans votre vie. Le temps est un don du Seigneur et l'utilisation correcte du temps ne peut être séparée d'une connaissance profonde et croissante de lui. Jusqu'au degré où ce livre t'aidera à te rapprocher du Seigneur, à le connaître et à utiliser le temps pour accomplir sa volonté, je considérerai que sa rédaction aura servi l'intérêt du Père et c'est ce qui, pour moi, est merveilleux. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.